C'est désormais officiel. Maurizio Reggiardo entraînera le Castres Olympique la saison prochaine. Le club de rugby d'Agen, où il officie actuellement, l'a annoncé ce matin lors d'une conférence de presse. Pour l'Argentin, l'émotion est au rendez-vous. C'est mélangé parce que c'est la tristesse, mais moi il me reste encore 10 mois à profiter de mon groupe, à profiter de mon président, de mon club, des supporters. Et il me reste un paquet de chapitres à écrire et pour faire un joli épilogue aussi dans le club. Un départ malvenu pour les Agenais. Maurizio Reggiardo était l'acteur principal de la montée et du maintien du club en top 14 ces deux dernières années. Mais c'est aussi le retour d'un visage familier pour Castres. L'Argentin y a fait un passage remarqué par deux fois, en 2007 et 2015. Cette année-là, il avait grandement permis au club d'échapper à la relégation. Aujourd'hui, c'est pourtant un nouveau challenge puisqu'il succédera au très populaire Christophe Urios à la tête du club champion en titre. Une journée seulement après l'entame de la nouvelle saison, Maurizio Reggiardo souhaite se focaliser sur son travail avec Agen. Les Lot-et-Garonnais sont actuellement derniers du classement.